Bonjour, je m'appelle Jérôme Laverny, de la mission emploi, et aujourd'hui nous allons parler du CV. Il n'y a pas de règle d'or pour réaliser un CV, si ce n'est celle de constituer un document qui soit clair, précis et empreint de bon sens. À partir du moment où on a rempli ces trois objectifs, on a fait déjà l'essentiel. Sans perdre de vue que le lecteur d'un CV ne va consacrer que quelques secondes, quelques minutes parfois, à la lecture du document. Ce qui veut donc dire que les informations les plus indispensables doivent apparaître de façon très très claire dans le déroulé d'un parcours, qu'il ne faut donc pas polluer de tout un tas de petits détails qui vont passer complètement inaperçus et qui vont laisser inaperçus les choses les plus essentielles. Il faut par conséquent que le lecteur du CV ait une lisibilité très claire des principales expériences en termes de durée, de nature de poste, d'endroit bien sûr, mais surtout des compétences que vous avez eu l'opportunité d'acquérir au fil de ces expériences. Attention, en revanche, ne vous imaginez pas que multiplier les petites références complètement inutiles vont enrichir et renforcer votre crédibilité. Deux exemples. Les compétences que parfois on lit en haut d'un CV. Accueillant, agréable, etc., etc. Considérez bien que le lecteur d'un CV n'imagine pas un seul instant qu'un candidat lui signale qu'il est taciturne, qu'il souhaite travailler seul, qu'il ne veut de contact avec personne. Ce qui veut donc dire que cette partie-là, elle est la partie zéro du message. De la même façon, dans les loisirs, on voit parfois une liste infinie de sports ou d'activités qui sont censées attester d'un grand dynamisme. N'en abusez pas, car le lecteur d'un CV est rompu à cet exercice de voir fleurir toujours les mêmes activités dans ce chapitre. En revanche, soyez rassurés par l'idée que la seule vertu d'un CV est d'être simple, concret, précis. En ayant rempli cet objectif-là, vous aurez rempli l'essentiel et gravi la première marche dans votre recherche d'emploi et surtout dans l'objectif qui va devoir être le vôtre, rassurer votre futur employeur. Pour toute information complémentaire, vous pouvez toujours nous contacter suivant les coordonnées qui vont s'afficher sur l'écran. À très bientôt.